Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Que se passe-t-il, grand-père ? Ce qui se passe, hein ? Il se passe que ce monsieur, ton père, a oublié comment on traite une dame. Comment un homme doit traiter une dame ? Une dame ? Oui ! Mais où est-elle donc, cette dame ? Où ça, dis-moi ? Hein ? Ah, tu veux dire que celle-là ? Celle-là ? Ah, oui ! Ce serait une dame. J'ai vécu pour ce moment-là. Mais alors, pourquoi est-ce que j'hésite ? Il vaut mieux oublier ta promesse de vengeance, Andreïna. Oui, écoute plutôt ton cœur. Allô, Rita ? Je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas, ou peut-être Claudia. Bon, figure-toi que nous avons eu une discussion, et que ma chère sœur a décidé de partir. Et peut-on savoir pourquoi vous avez discuté ? Enfin, puisqu'elle a pris cette décision. Tu ne le sais pas ? Claudia a complètement changé d'attitude. Elle est contre moi. Enfin, à tel point que ni moi ni personne ne peut rien dire sur Miranda parce que cette femme, ma chérie, se vexe. Bien sûr, c'est certainement parce qu'elle ne veut plus calomnier Miranda, voilà tout. Ah, big ! Ah, pardon, c'est que j'ai failli oublier. Miroir, encore un, qui se meurt pour Miranda. Écoute, souviens-toi, Miranda est une Lombardie, ma cousine. Oui, mon amour, elle, c'est une maligne, mon ange. Et elle vous a tous embobinés. Rends-toi compte, cette femme est passée de locataire morose à propriétaire et maîtresse de la maison Lombardie. On voit bien que tu essaies de panser les blessures, n'est-ce pas ? Mais c'est la vérité. Écoute, cette femme a tout fait pour hypnotiser cet idiot de Leonardo. Pourquoi tu ne dis pas plutôt que Leonardo est tombé éperdument amoureux de Miranda comme il ne l'avait jamais été avant ? Parce que ce n'est pas vrai, mon ange. Parce qu'elle l'a berné comme n'importe quelle fille de la rue. Bien sûr, avec des arguments que, moi, je ne maîtrise pas. Et tu sais pourquoi ? Parce que je serais incapable d'imputer un fils à Leonardo alors qu'il est d'un autre homme. Non, jeune homme ! Non, cette femme est autre chose !
Ta mère et la mienne étaient des femmes. Aha. Des femmes que tu as trompées avec cette misérable vieille Elba Montiel, mon gars. Ça suffit. Laissez en paix la mémoire de ma grand-mère, d'accord? Au moins respectez les défunts. Plus un mot qui puisse offenser cette femme. Est-ce que tu m'as compris? Ne prononce plus jamais son nom. Ne prononce plus jamais son nom. Tu as trompé ma mère avec cette femme. Et ça a coûté la vie à ma mère. Tu es donc mal placé pour me réclamer quoi que ce soit, mon gars, quoi que ce soit. Tais-toi! Tais-toi, je te dis de te taire! Écoute, sincèrement, je t'écoute et je n'arrive pas à le croire. Tu crèves de jalousie et d'envie. Jalouse, moi? Oh, German, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Tu crois que Miranda est plus femme que moi? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle a obtenu ce que tu voulais, toi. Elle n'a pas encore Leonardo, tu sais. Alors ne sois pas grossier. Écoute, nous allons arrêter là cette conversation. Je crois que définitivement avec toi, on ne peut pas discuter. Tu es si insupportable que ta propre sœur t'a laissé tomber. Je crois que tu as raison. Nous allons arrêter là cette conversation. Et fais-moi une faveur. Va-t'en. Pas de problème. Tu connais le chemin. Ok. Ah, mais si tu veux trouver Claudia... Mon gars, je viens de penser que tu peux la trouver à l'hôpital psychiatrique où on a interné Dario Antonetti. Parce que dernièrement, elle est irrémédiablement dévouée à lui. Dévouée? Tu ne les as pas vues? Hein? Tu sais, elle a une façon très particulière de le défendre et de le protéger. Voyons, c'est logique, c'est sa psychiatre et elle essaie de l'aider. Non. Attends un petit peu, German. Dario Antonetti a vraiment réussi à influencer d'une façon étonnante ta chère Claudia. Je ne sais pas, maintenant que j'y pense, c'est peut-être une des raisons de son changement avec moi. Toi, tu n'as pas observé si elle a changé avec toi? Dis-moi... Est-ce que ça arrive comme dans les feuilletons? Ou comme dans les grands films? Ou pour ne pas aller jusque-là, comme dans la vraie vie? La psychiatre tombe amoureuse de son patient. Bon, il existe des cas comme ça, non? Donc elle est libre. Teresa Antonetti, elle est libre, libre. Elle est libre. Oui, Dario, Teresa est libre. Elle est venue me voir au cabinet et elle veut te voir, elle veut parler avec toi. Moi, non. Je ne peux pas, je ne veux pas parler avec elle, Claudia. Moi, non, je c'est pas possible, je peux pas, je ne veux pas la voir parce qu'elle elle m'a fait beaucoup de mal et elle m'a fait trop de mal. Trop de mal, elle m'a maltraité, je veux m'en aller. Je veux m'en débarrasser. Écoute. Non, je ne veux pas la voir, tu comprends? Écoute-moi, ça. Écoute-moi, Dario. Je ne veux pas la voir, je ne peux pas. Aide-moi. Écoute-moi. Dans ta vie, il y a un côté obscur que tu dois affronter. Tu dois le nettoyer. Imagine que ton esprit est une grande maison, pleine de beaux espaces, d'espaces propres. Dans cette maison, Dario, il y a une pièce obscure, dans laquelle se trouvent les angoisses, les peurs, la solitude. Dario, tu dois rentrer dans cette pièce... pour la nettoyer. Écoute-moi, pour affronter ces peurs face à face, Dario, regarde-moi, Dario, s'il te plaît. Tu dois affronter cette solitude. C'est la seule façon de t'en sortir, en regardant la lumière, en mettant de la lumière dans cette chambre obscure. Je vais le faire. C'est ce qui se passe, c'est que... c'est... Maintenant, je suis pas préparé, Claudia. Tu comprends, ne marcelle pas, s'il te plaît. Ne marcelle pas. Je vais le faire. Mais ne marcelle pas. Calme-toi. Calme-toi. Ne te mets pas dans cet état-là. Dario, je vais lui parler. Alors, calme-toi. Et je vais simplement lui dire que tu ne veux pas la voir. Oui? Ouais. D'accord. Je veux pas la voir, tu sais, je veux pas la voir. Moi, non, je veux pas la voir parce qu'elle m'a fait beaucoup de mal.
Je veux seulement faire comme si elle n'avait jamais existé dans ma vie. Calme-toi, elle ne va pas venir. Elle ne va pas venir. Je veux pas qu'elle vienne. Je veux pas qu'elle vienne. Je veux bien faire les choses, mais je... Calme-toi. Grand-père, oublions ça. Oui. Écoute, tu es déjà très mal à cause d'une contrariété comme ça. C'est vrai, grand-père. Rappelle-toi l'attention, tu dois pas être contrarié. Oublie ça, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Non, je n'oublie pas. Mais tu oublies, toi, hein? Non, tu n'oublies pas non plus. Tu te dis moraliste, alors que la seule chose que tu fais, c'est piétiner la morale. Oui, c'est la seule chose que tu fais. Est-ce que, par hasard, tu as oublié la page noire, obscure et grise de ta vie? Oui, écoute-moi, j'ai fait la même chose que toi, une femme. Oui, mais attention, parce que toi, ça t'était complètement égal. Non, ça ne m'était pas égal. Bien sûr que ça a compté. Ça a compté l'histoire de ta mère. Ça a compté ce que tu as vécu, oui, à cause de ça. Mais je ne vous ai jamais abandonné. Non, je n'y ai jamais pensé. Jamais. Jamais, tu entends? Hypocrisie. Mais je ne vous ai jamais abandonné. Jamais. J'ai sacrifié tous mes sentiments pour toi et pour ta mère. Qu'elle repose en paix. Par contre, toi, tu as détruit la vie d'un homme. Oui. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas pu obtenir de Rosario. Tu n'as pas pu obtenir ce que tu voulais. C'était une femme intègre. Honnête! Et tes enfants et ta femme ont souffert. Souffert de ton indifférence et de ton manque de respect. Je t'ai imité. Non! Non, mon fils! Tu m'as dépassé et largement! Bien sûr, tu as rendu impossible la vie des parents de cette pauvre fille, Andreina Amaral. Nous allons vérifier la liste, Rita. Tenez, c'est la parce voilà. Que je ne veux oublier personne pour cette réunion de demain. Merci. De rien. Très bien, voyons. Ici, nous avons... Combien de sucre? Non, sans sucre, s'il vous plaît, merci. Ici, nous avons Monsieur Leonardo, Monsieur Salvador, Monsieur Raimundo, Madame Eloïsa et son mari, Miranda, bien sûr, Monsieur German, et vous m'avez dit aussi le docteur César Sandoval, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il est l'avocat et l'ami de la famille, bien sûr. Bien sûr, parfait. Alors, c'est tout. Ah, et vous n'allez pas inclure Madame Sonia? Mais s'il vous plaît, pas du tout. Cette femme n'a vraiment rien à faire ici, s'il te plaît. Rita, j'ai oublié tous les jeunes. Ah, bien sûr. Saul, Rina et Vicky. Oui, bien sûr. Elle est aussi une Lombardie, non? À quelle heure je l'ai fait venir? Pour 11h du matin. 11h. En salle de conférence, hein. D'accord. Alors voyons, autre chose? Non. Rita, excuse-moi de t'avoir fait courir jusqu'ici, hein. Ah non, mais c'est aucun que problème. C'est très important. Cette réunion est très importante. Calmez-vous, ne vous inquiétez pas, c'est parfait. Aucun souci. Ah, j'ai oublié quelqu'un. Qui? Oui, bien sûr. Elle n'est pas un membre direct de la famille, mais bon, c'est comme si elle l'était. Fabiana. Ah, bien sûr, Fabiana Alarcón. C'est ça. Parfait. C'est la tante de Karina. De plus, c'est la personne qui a élevé ses enfants. Bon, je les veux tous là-bas, d'accord? Parfait. Tout sera prêt. Bon, merci d'être venue. Tu dois déjà partir, non? Oui, je dois partir. Merci pour le café, merci pour tout. Ah bon, je te dis une chose, Rita. Tu es l'efficacité personnifiée. Oh, merci beaucoup, Madame Andreina. Bien sûr que oui. À plus tard, au revoir, ma chère. Tout sera prêt demain. Vas-y. Merci. À partir de demain commence une nouvelle grande étape dans ta vie, Andreina. Je ne peux plus attendre. Flora! Madame? Flora, je dois y aller. Si Pedro vient, tu lui dis que j'ai été dans ma famille. Bon, j'ai essayé de le trouver, mais je ne sais pas où il est. Très bien, soyez tranquille, je me charge de son chérubin. Tu t'occupes bien de lui. Pedro, bon Dieu, tu arrives enfin! Et toi, tu vas où? Mais enfin! Quel breuvage!
Quel poison cette femme vous a donné pour que vous la défendiez ainsi? Pourquoi la défendez-vous autant? Dis-moi une chose, mon gars. Qu'est-ce que je suis pour mon père? Réponds-moi! Que suis-je pour toi? Tu es mon fils, oui. Mais je ne te reconnais pas. Papa, tu n'as pas arrêté de piétiner Miranda constamment. Tais-toi, jeune homme! Ne crie pas! Tu n'as pas honte de la façon dont cette femme te manipule, hein? Tu n'as pas honte? Elle t'a abruti, elle t'a rendu idiot, oui! S'il te plaît, ça suffit, oui. Nous sommes une famille, essayons de nous tolérer, de nous respecter. Arrêtons de nous disputer. Nous respecter? C'est de respect dont on parle! Oui. Cette famille était très tranquille et heureuse jusqu'au jour où tu es arrivé et tu as tout empoisonné! Ne l'offense plus, papa! Assez! Ah, bien sûr! Parce que je la blesse, n'est-ce pas? Mais moi! Moi, Raimundo Lombardi, écoutez-moi bien, hein? Moi! Je refuse d'accepter que cette femme porte le sang Lombardi! Tout ce qu'elle est, c'est une page obscure, noire, dans cette famille. C'est ce qu'elle est. Renvoyez Miranda d'ici, monsieur Raimundo. C'est une mauvaise augure pour cette maison. Mauvaise augure? Je dirais plutôt... mauvaise augure. Et tu es horrible, corbeau. Je vais te raconter une histoire à soiffer les jbottes. Maintenant, voilà que tu es ami avec cette... cette opportuniste. Que tu étais la première à détester parce qu'elle t'avait volé l'homme que tu aimais tellement, n'est-ce pas? Tais-toi, malheureuse. Ferme-la. Ta grande amie a amené le malheur dans cette maison, écoute bien. Quand Madame Raïsa habitait ici... Tout était gaieté. Mais bien sûr, c'est une femme distinguée. Avec de la classe, ma chérie. De la classe! Un personnage de la vie du pays, tu vois. Oui, oui, oui. C'est vrai, tu as raison. C'est une vraie personnalité du pays, oui. Mais elle a aussi occupé les pages des faits divers de ce pays. Cette icône ne va pas revenir dans cette maison, Rimena. Descends de ton nuage. Ici, celui qui commande, c'est Monsieur Salvador. Et sa petite fille préférée est Miranda. Je te conseille de ne plus la salir avec ta langue de vipère, parce que sinon, il va te mettre à la porte de cette maison. Et grille. Je t'ai demandé où tu allais. Qu'est-ce qui t'arrive, Pedro? Pourquoi tu me parles comme ça? Je vais voir mon père. Ah bon? Ton père est malade, c'est ça? En tout cas, je sais pas ce que tu vas faire. Peut-être tu vas remonter son ego, c'est ça? Oh, écoute, Pedro, ne sois pas grossier. Tu sais quoi? Toi, Eloïsa, tu iras nulle part. Mais qu'est-ce que tu dis là, Pedro? Tu m'interdis de sortir? Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu t'occupes de ta famille, de ton foyer, de ton fils, de ta maison, de ton mari. Mais tu t'en fiches complètement de ta famille? Bien sûr que toute ma famille compte pour moi. Et justement, mon père a des problèmes. Je ne sais pas, alors si ton père a des problèmes, qu'il se débrouille avec ses problèmes. Mais Pedro, je te l'ai dit 1000 fois, je ne peux pas le laisser seul. Eloïsa, mais je comprends pas. Raimundo est manchot? Il a besoin d'un guide? Il est aveugle? Écoute, écoute, Pedro, arrête l'ironie, hein. C'est mon père et ça me fait mal, donc je vais le voir. Toi, Eloïsa, tu es ma femme et j'aime autant dire que tu n'iras pas voir ce type. Pourquoi t'en prends-tu de cette manière avec Miranda? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle est rentrée dans notre maison par la force. Elle voulait un mari riche. Une bonne famille. Alors elle t'a trouvé. Elle a trouvé cette famille. Bien sûr, c'est évident. Elle nous a trouvés parce que nous sommes sa famille. Elle voulait sceller un mariage avec toi. La poursuite de notre nom. Parce qu'elle savait qu'autrement, elle n'y arriverait pas. Mais dis-toi que ni toi, ni ta mère, ni ta grand-mère, vous êtes dignes de cette famille. Dieu seul sait à combien de pauvres diables ta grand-mère a eu affaire, cela pour avoir ta mère.
Et Dieu seul sait avec combien de gars. Oh, oh oui, combien. Ta mère a eu affaire pour t'avoir. Écoute, retire ce que tu viens de dire immédiatement. Tu m'entends? Immédiatement. Insolent, va. Retire ça. Retire ça immédiatement. Mais comment vas-tu m'interdire de sortir, Pedro? Je vais voir mon père, que ça te plaise ou non. C'est bon. Sors. Vas-y, sors. Va voir cette espèce de manipulateur. En tout cas, Eloïsa, j'aime autant te dire que quand tu vas revenir ici, cette maison sera la tienne. Parce que tu ne trouveras ni fils, ni mari. Quoi? Tu es en train de me menacer? Tu ne peux pas faire ça, Pedro. Écoute, tu ne ressembles pas du tout à celle que j'ai épousée. Soit tu es folle, soit je ne t'ai jamais connue comme ça. Pedro, si au moins tu comprenais qu'il s'agit de mon père. Oui, oui, les Lombardies sont un bloc. Mais vas-y, je t'en prie, vas-y, va défendre l'indéfendable. Mais quand tu rentreras, je serai plus là. Écoute, Pedro, je vais te dire une chose. Je n'accepte de menaces de personne. Écoute, Eloïsa, je sais pas. Je comprends pas ce qui t'arrive. Vas-y, vas-y, va. Va défendre ce saligo manipulateur. Mais laisse-moi te dire que là, c'est le début de la fin. Je n'accepte plus. Je n'ai plus envie de l'accepter du tout. N'offense plus la mémoire de cette femme, parce que la mère de cette fille a été la femme d'un seul homme, et elle bat aussi. Grand-père, s'il te plaît, calme-toi, ne l'écoute pas. Ah mais, tais-toi donc, hypocrite. Mon père est meilleur que nous tous réunis, jeune fille. Quelle horreur. Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites à votre père. Hein? Grand-père, viens. Viens avec moi, s'il te plaît. Grand-père, je prendrai soin de toi. Je suis venue te chercher, s'il te plaît, grand-père. Allons-nous-en, oui? Viens avec moi. Tu aurais dû voir dans quel état s'est mise Corina, Cheo. Écoute, elle a crié, elle m'a manqué de respect, elle m'a dit des choses terribles. À moi, qui était comme sa propre mère. Ah, ma chérie, arrête ton drame. Corina, ce qui lui arrive, c'est qu'elle est dépitée. De ça, personne n'en est encore mort. Ah, Cheo, s'il te plaît. Écoute, viens ici. Dis-moi une chose, comme ça, avec le cœur sur la main, d'accord? Tu enverrais une de tes filles à l'autre bout du monde, sur l'autre continent, avec un homme pratiquement inconnu? Qui est l'inconnu? Parce qu'Alexandro Ferrer a gagné l'estime de nous tous. Non, mon amour. Ce Ferrer, avec sa tête d'ange et tout, a beau être le cousin d'Obregón et tout ce que tu voudras. Mais on ne sait pas avec qui ce type sort là-bas, s'il se fait juste un petit plaisir avec Corina et s'il la met enceinte et après elle la laisse toute seule, hein? Qu'en dis-tu? Qu'est-ce que tu en penses? Imposteur, hypocrite, intrigante. Écoutez, vous deux. Vous deux, vous allez devoir à cette femme et à l'autre notre ruine et le discrédit des Lombardies. Tais-toi, grand-père, non, s'il te plaît. Tais-toi, non. Calme-toi, s'il te plaît. Pas arrête. Un mot de plus. S'il te plaît, silence. Grand-père, calme-toi, papa, je t'en prie. Jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand vas-tu parler sans réfléchir? Et toi, tu ne réfléchis jamais à ce que tu fais. Mais moi, je n'offense personne. Toi, tu offenses pour offenser, comme si tu étais le détenteur de la vérité absolue. Comme si tu n'avais jamais rien eu à te reprocher. Ah, mais toi, tu es empoisonné par cette vipère. Tu vas devenir fou si tu continues à t'attaquer à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qui t'angoisse autant, dis-moi? Qu'est-ce qui te tourmente? Pourquoi tu ne te libères pas et que tu ne cries pas? Dis-le! Qu'est-ce qu'il a? Ma chérie, moi, honnêtement, je ne crois pas que ce monsieur ait de mauvaises intentions. Je crois qu'il est amoureux d'elle, ça se voit de loin. Eh bien, s'il est amoureux, il se marie comme il se doit. Comme Dieu le veut. Ah, chérie, arrête de t'énerver, mon bijou. Ne t'en mêle pas, laisse-le-moi. Je parlerai avec Corina. Hein? Nous allons attendre qu'elle sorte de sa déception sentimentale et je parlerai avec elle. Celui qui est comme un énergumène, c'est Manolo. Oui. Mais vraiment, écoute, Otello est un mangeur de pop-corn à côté de lui. C'est vrai qu'il n'est pas gentil. C'est un feignant, un vrai coureur de jupons.
Et cette Linda, mon amour, il n'arrête pas de la draguer. Il la traite comme une princesse, il minaude et tout. Purita, elle n'a pas intérêt à regarder un autre. Ce jeune homme, le petit docteur là qui vient d'arriver à la crèche, il commence à s'intéresser à Pura. Oui, monsieur. Et le Manolo est un jaloux. Bon, pas jaloux, le beau-frère a vraiment pété les plombs. C'est bien. Écoute, espérons que Benavides flirte assez avec elle pour que Manolo l'apprenne. Pourquoi tu me regardes comme ça? Une chose, hein, fais attention à toi. Très attention, Cheo. Que je ne te vois pas minauder par là avec quelqu'un parce que je te tue, tu le sais ça? Tu sais que c'est vrai? Ah, t'es trop belle. Cette petite bagarreuse que j'ai ici à la maison est en train de se vexer, hein? Allez, hein, ma petite vipère. Tu résous tout avec des baisers. Tu commences à me taper sur les nerfs, tu sais. Ces pauvres nerfs. Allô? Allô? Rien à voir? Mais parle! Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Dis-le! Sois sincère une fois dans ta vie! Ne me parle pas comme ça. Toi! Toi, tu es le coupable de toute cette débâcle, de tout cet irrespect familial. Tu es coupable de la présence de cet arriviste dans cette maison. Oui, apparemment, tous sont mes ennemis. Tous! Oui, tous! Y compris mes propres enfants! Ce n'est pas vrai, papa. Je suis avec toi. C'est honteux de les voir tous ensemble, jugeant papa comme un tribunal de l'Inquisition. Mais que fait cette femme ici? Ce n'est pas sa maison. Elle a perdu tous ses droits. Écoute, hors d'ici! Arrête! Ne la touche pas! Ne la touche pas, c'est compris? Dis-moi une chose, comment ça a été pour Miranda dans la maison de l'horreur? Ah, si je pouvais le savoir, je ne le sais pas. Elle n'était pas encore arrivée quand je suis partie. Je ne sais pas. Je lui ai dit. Je l'ai prévenue. Je lui ai dit qu'elle passerait un mauvais moment si elle allait voir Raimundo. Oui, moi aussi, moi aussi. Mais écoute, je suis tranquille, Federico. Vraiment, sachant qu'elle est avec Monsieur Salvador, je suis tranquille. Ils s'aiment tellement. Écoute, c'est incroyable, mais chacun est le sauveur de l'autre, tu sais. Lâche ma petite fille, je te dis! Tant que je vivrai, personne ne la touchera! Et personne ne la sortira de cette maison, d'accord? Personne! Grand-père, mais c'est que j'étais... Non, rien! C'est ma petite fille et elle vaut plus que vous tous réunis! Vous ne comprenez pas? Et plus que toi aussi! Oui, toi, qui as la bouche pleine d'insolence, tu ne mérites pas de t'appeler Lombardie! Oh, ça non, tu ne mérites pas de t'appeler Lombardie! Grand-père, c'est la chose la plus horrible et terrible que tu pouvais dire à papa! Oui, mais c'est qu'il le mérite, ni plus, ni moins! Voilà! Et toi, tu es vraiment sûr de ce que tu vas faire? Absolument, Federico. J'ai fait convoquer toute la famille Lombardie au complet pour demain. Et y compris Raimundo. Bien sûr. C'est insupportable aussi. Ah, c'est comique. Ah, Andreina. Tu es incroyable, tu sais. Oui. Je ne sais pas si je t'aime parce que tu es belle, que tu sais me surprendre, par ta façon d'aimer, comme femme, comme amie, comme fille. Merci. Merci, mon amour. Merci d'avoir confiance en moi. Federico. Merci de m'aider à me retrouver moi-même, mon amour. Madame Obregón. Non. Plutôt... Madame Carvajal. Parce que ce sera mon nom dorénavant, non? Tu as encore une fois montré tes manières à Cheo. Bien sûr, parce que tu n'écoutes pas les conseils. Non, toi, tu jures toujours que tu as raison, que tu sais tout, que tu as la science infuse. Écoute, jeune fille, c'est une affaire entre ma femme et moi, d'accord?
Je ne me mêle pas de tes affaires avec Cheo, moi, d'accord? C'est incroyable, ça. Vous êtes tous en train de conseiller Pura sur ma vie. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais tu es fou! Pourquoi fou, jeune fille? Pourquoi fou? Parce que je te dis que tu es une fouineuse, franchement? Manolo, je ne te donne pas une taloche parce que tu es un adolescent attardé, mais ce n'est pas la vie qui manque! Qu'est-ce qui t'arrive à toi, hein, jeune fille? Secoue-toi un peu, là. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Occupe-toi de ton mariage, de ton mari, et ne te mêle pas de mes affaires avec Pura. Est-ce que c'est compris? Mais comment ça? Mais tu me traites de fouineuse, Manolo Antonio! Ouais, fouineuse! Je ne suis pas d'accord avec toi, grand-père. Mon père ne mérite pas que tu le traites ainsi. Ne crie pas après grand-père, Héloïsa. Respecte-le. Toi, je ne sais pas comment te qualifier, Leonardo. Tu me déçois de plus en plus. Allons-nous-en, papa. Grand-père, tu viens avec moi. Grand-père, je t'ai demandé de venir chez moi. Tu n'aurais jamais dû venir ici, s'il te plaît. Parce que, comme le dit Héloïsa, je suis la fautive de tout ça. Grand-père... Non, 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 mon amour, elle se trompe tout autant que son père, oui. Non, grand-père... Allons-y. Ne pense pas à ça, mon cœur. Écoute, grand-père... Grand-père... Papy, toi... Vicky... Et mon fils... Vous êtes ce qu'il y a de plus important dans ma vie. C'est la seule chose... La seule chose que j'ai qui m'intéresse, grand-père. La seule chose... Viens avec moi, grand-père, oui. Allez, grand-père. Oh, j'en ai marre. Oh. Fouineuse, c'est peu dire, oui. C'est même très peu. Je me coupe une main. Je peux même me couper deux mains. Jusqu'à la tête, tu vois. Si t'es pas en train de conseiller ma femme à sortir avec ce petit pantin du foyer. Cette espèce de petit médecin à deux francs, Antonio Benavides, là. Écoute, Manolo, tu sais quoi? Pense ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Quand tu deviens têtu, personne ne te sort de là. Pense ce que tu veux. Je m'en fiche. Écoute, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je te l'ai déjà dit, ne t'en mêle pas. Ne crie pas, Manolo. Ne me manque pas de respect. Je suis comme ta mère. Alors ne sois pas grossier. Et tu sais quoi? Ne te mêle pas de l'histoire de Corinna. C'est moi qui résous ça. Tu es trop élémentaire. Élémentaire? Fais ce que tu veux, jeune fille. Et je te remercie de ne plus me sermonner, d'accord? Je suis assez grand. Je suis assez grand maintenant pour savoir ce que j'ai à faire. Alors laisse-moi tranquille. Manolo! Laisse-moi! Manolo! Laisse-moi, Manolo, je te dis. Viens ici! Manolo! Laisse-moi tranquille. Manolo! Ah mon Dieu, mais quoi? Ils grandissent et... Et il nous piétine. J'ai envie de pleurer. Mais non, en aucun cas. Zéro larme, ma fille. Pas de pleurs. Grand-père. Ah, grand-père, ne t'énerve pas, s'il te plaît. Tu me fends le cœur. Hein. S'il te plaît, grand-père. Ah, Dieu saint! Pourquoi je n'ai jamais pu avoir une relation normale avec Raimundo? Et cette façon d'affronter tout le monde, cette haine gratuite envers toi, et cette façon de parler d'Elba, c'est injuste, injuste. Grand-père. Grand-père, nous savons tous comment il est, non? Nous savons tous qu'il est comme ça. Ne sois pas triste. Grand-père, il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. Toi, ce que tu dois faire, c'est te faire respecter. Grand-père, vraiment, il y a beaucoup de monde qui t'aime. Par exemple, moi, grand-père, je t'aime énormément. Je t'aime beaucoup. Et aussi, mon fils t'aimera beaucoup quand il grandira. Et aussi, ton petit-fils Leonardo, il t'adore et j'en ai la preuve, grand-père.
Comme je vous disais, quand j'ai vu Federico entrer par cette porte comme une furie, cherchant Raimondo, non, pire, quand il était dans le salon. Alors là, c'était la bagarre. Horrible. Bon, je sais que Federico s'est mal comporté avec mon oncle Leonardo. Bon, pour ce qu'il lui a fait il y a longtemps. Mais cette fois, tu sais, je le soutiens totalement. Parce qu'il a défendu Andreina. Bien sûr, Saul, il a tout à fait raison. Je ne sais pas ce qu'a mon grand-père. Comment peut-il l'agresser? Écoute, d'abord, c'est une femme. Mais toute femme se respecte. Et deuxièmement, parce que les Lombardis de cette maison ont toujours été des gentlemen. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Oui, mais mon grand-père n'aurait pas dû la bousculer. Ce sont pas des choses d'hommes. Qu'arrive-t-il à mon grand-père? Il a perdu la raison ou quoi? Ah, je ne sais pas, Saul. Vraiment, la seule chose que je veux, c'est un jour de paix dans cette maison. Ah, mais là, avec Monsieur Raimundo bien installé dans cette maison, c'est impossible. Et en plus de ça, il est grossier, parce qu'il ne respecte même pas mon grand-père. Qu'est-ce qu'il cherche, là? Que mon grand-père tombe malade à nouveau, hein? C'est ça qu'il veut, que mon grand-père meure? Allô? Rita? Bonjour. C'est si rare que tu appelles à la maison. Moi? Demain au bureau Lombardi à 11h? Et pour quoi faire à peu près? Ah, mais pourquoi il y a tellement d'histoires avec Miranda? Tu vois comment sont les choses? Même ma tante Héloïsa, qui avant l'adorait, maintenant elle aussi l'attaque. On dirait quelqu'un d'autre. Il est là-haut avec ma tante, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'elle l'a emmené dans sa chambre. Cette fois-ci, il va m'entendre, hein? Parce que ni Rina ni moi faisons partie du décor. Non, Sol, s'il te plaît, je t'en supplie, calme-toi. Calmez-vous, parce que ça ferait du mal à Monsieur Salvador, ok? Ok, mais il est fort maintenant. Hein? Dis-moi, Fabiana, est-ce que tu sais par hasard quel est le problème au consortium avec Andreina Obregón? Moi? S'il te plaît, Saul, mais comment puis-je savoir ce qui se passe au consortium? Tu sais quoi? Je suis fatigué, j'en ai marre! Je suis fatigué que dans cette maison tout soit mauvaise tête et problématique! Que je ne trouve pas mon grand-père sur mon chemin, je vais lui dire tout ce qu'il mérite! Saul, s'il te plaît, Saul! Oh, Saul! Allô? Ah, Rita, comment vas-tu? Tu veux parler avec Leonardo? Avec moi? Ne t'énerve pas, ne te mets pas dans cet état. Écoute, Alejandro nous a toujours semblé être un type affectueux, sincère et surtout très authentique avec toi. Comment est-ce que tu peux penser que tu vas plus jamais le revoir, hein? Sais-tu où se trouve l'Espagne, Vicky? De l'autre côté de la planète. Donc, comment dit le proverbe? Loin des yeux, loin du cœur. Ah, Corina, s'il te plaît, écoute. Internet existe. Et quand il y a Internet, rien n'est loin. C'est-à-dire que tu te connectes et tu chattes avec lui, voilà. Oh, bon, il me dit que quand Andreina s'en ira, il m'emmènera, mais... Il faut voir si mes idiots de frères ne s'en mêlent pas, tu vois. Ah, ok. Donc, toi, tu vas t'en aller et tu vas m'abandonner? Ah, Vicky, s'il te plaît, ne sois pas bête, je ne vais pas t'abandonner. En plus, tu as Saul. Et Saul, il t'aime et il t'adore. Il t'aime et jamais il partira en voyage pour te laisser seule. Écoute, Vicky, tu essayes de me stopper? Vicky? Bien sûr, Cori, oui, bien sûr. Corina, excuse-moi, c'est que... Écoute, on m'a appelée et on m'a convoquée pour demain à une réunion au consortium des Lombardis. Quoi? Mais pourquoi ça? Je sais pas. Moi, la vérité de toute cette histoire, je sais pas ce que c'est. Peut-être que tu es une Lombardie, c'est pour ça? Ce ne sont que des paroles. Parce que Monsieur Raimundo ne supporte pas que ma sœur et moi ayons son sang qui court dans nos veines. Donc, oublie ça. Ah. Manolo? Manolo, tu veux manger maintenant? J'ai pas faim. Non? Non. Eh bien, quand tu auras faim, tu te réchaufferas toi-même le plat parce que moi, je vais prendre un bain. Ciao, mon amour. C'est le comble, ça. Maintenant, elle veut plus s'occuper de moi, tiens. Elle veut plus. Il faut que j'ai faim quand elle a envie que j'ai faim, quoi, en fait, hein. Il faut pas que j'ai faim, hein.
à un autre moment, quoi. C'est comme ça. Elle décide de ce qui se passe. C'est incroyable, elle se révolte, c'est tout. C'est pas vrai. Tu dois te calmer, papa. Restez calme pour affronter la meute qui va te tomber dessus demain. C'est que ces femmes sont des hypocrites. Elles ont même dressé le grand-père contre toi. Elles croient que je suis un imbécile, mais elles se trompent. Elles se trompent. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Écoute, en plus j'ai beaucoup de gens qui m'épaulent. Beaucoup de gens sont avec moi, comme Sonia, comme Sonia. Sonia représente un groupe important d'actionnaires, tu sais, tu comprends? Oui. Cette misérable Miranda est-elle enfin partie? Je ne sais pas, papa. Elle a fait sûrement un lavage de cerveau, grand-père. Tu as vu, grand-père. Tu as remarqué son attitude? Oui. Mais enfin, sur quelle morale peut-il me réclamer quoi que ce soit? Avec quelle valeur se met-il à défendre cette crapule de... Delba Montiel? Mais enfin, c'était... une vaurienne, ma fille. Parfaitement une vaurienne. Exactement comme cette Miranda. Elle a hérité d'elle son vagabondage. Et elle s'est introduite dans notre famille comme une plaie, parfaitement comme une plaie. Mais celle-là, laisse-la moi, papa. Moi, je vais parler avec elle. Vas-y. Je vais voir si elle est encore là. Vas-y, allez. Non, mais c'est que je suis un pouvoir économique. Me faire ça à moi, comme ça, non. Et encore moins celle-là. Non, la fille de ce pauvre diable, ce malheureux Francisco Amaral. Et sa traînée de femme. Ah ça non! Quel marasme! Combien d'histoires se sont passées aujourd'hui dans cette maison? Mais où est donc passé le standing de ces gens? Où est Leonardo? Mais qu'est-ce que tu lui veux? Il est dans sa chambre. Que veux-tu t'enfermer avec lui? Ou tu vas lui offrir tes faveurs en attendant qu'Antonetti sorte de l'asile? Miranda, je te parle! Comme tu es changée, Eloïsa. Maintenant, voilà que tu te défends des hommes complètement immoraux, comme ton père. Tu vas voir. Écoute, fais attention, ok? Fais attention à moi. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes todas mis ansias, batallas perdidas. Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema. Vengo del viento recién cortado, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Naciendo aunque venga algo muerto, y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos. Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros. Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa. Vengo dispuesto, vengo esperando, y es que yo vengo desde mar adentro, cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso. Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos. Vengo del frío, de las nostalgias. Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos. Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo. Vengo del tiempo que nadie calcula, vengo moldeando una luna perdida. Si con mi voz puedo cerrar tu herida, que esta garganta sea tuya y no mía. Vengo queriendo enamorarte sin estar.
estrategias sin avisarte.